Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant GTA Online et le DLC qui arrivera le 13 juin, le DLC GTA San Andreas Mercenaries. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter les futurs véhicules qu'on connaît déjà. On en connaît 4 qui ont été visibles via les images qui ont été partagées par Rockstar Games hier sur le Newswire. Si vous n'avez pas vu le Newswire ou la vidéo information avec en détail chaque image qu'on a analysée, je vous mettrai la vidéo dans la description, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus de détails. Dans cette vidéo, donc, on va se concentrer sur ces 4 véhicules. Alors peut-être que comme d'habitude, il y en a qui ne seront pas d'accord avec certains modèles. On va pas se bagarrer parce qu'on n'a que certaines images des véhicules en fait, donc on ne peut pas être sûr à 100%. Donc de toute manière, après on sera sûr à 100% quand on aura les véhicules manette en main, hein, on va dire, hein, donc le 13 juin. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir faire le live avec vous et découvrir ce nouveau DLC. J'ai déjà pris mes jours de congé, je les ai demandé hier soir, donc voilà. Même si c'était pas prévu de base que je fasse ça en juin, mais bon, voilà, tant mieux que le DLC arrive plus tôt, on verra. J'espère qu'il va nous faire durer pas mal de temps et qu'on prendra du plaisir à l'apprécier. Bon, bref, on passe au véhicule et on démarre avec cet avion de chasse qui a été donc l'image qui a été présentée avec ce DLC. Un petit peu l'image de couverture, on va dire. Et donc cet avion de chasse, on ne connaît pas le nom encore in-game, mais par contre ce qu'on sait c'est que c'est un F-35 Lockheed Martin, ou également appelé aussi le F-35 Lightning II. C'est donc un avion militaire monoplace, monomoteur, furtif de 5e génération, multirôle. Au passage, je vous mets des vidéos IRL de l'avion, mais aussi des vidéos in-game qui ont été apportées via un mode menu sur PC, où on peut importer des véhicules IRL via des modes menus pour les essayer sur GTA V directement. Donc vous verrez un mélange de vidéos IRL et en gameplay aussi. Donc, c'est un monomoteur furtif de 5e génération multirôle conçu pour l'attaque au sol et les missions de supériorité aérienne. Il est développé depuis 1996 par le constructeur Lockheed Martin, avec comme principaux partenaires Northrop Grumman et BAE Systems, sur une définition du Pentagone. Voilà, donc ça c'est pour le premier véhicule les amis, et j'espère que vous êtes hype. En tout cas, que ce véhicule vous plaît, je pense que pour la plupart, les retours sont assez positifs. Hein. En général, sur le DLC, on va dire que 80% sont satisfaits. Après, il y en a qui sont un peu moins et qui attendent. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne, de toute façon, une fois qu'il sera sorti. Allez, deuxième véhicule. Cette fois-ci, c'est une voiture et ce sera une nouvelle Bravado. Alors, ce ne sera pas une Gauntlet, mais bien une Buffalo. Voilà, je recherchais le nom, excusez-moi. Ce sera bien une Buffalo, puisque c'est tout simplement en fait une Dodge Charger Daytona SRT 2024. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sortie, elle sortira l'année prochaine. Et c'est un véhicule électrique. Et vous pouvez le voir sur les images, la première image de présentation du DLC de ce véhicule. On peut voir qu'il est équipé de chez Imanitech, il a des renforcements sur les portes et sur les portières. Donc, on pourra l'équiper chez Imanitech aussi. Alors, cette Dodge Charger Daytona SRT est un concept dévoilé le 17 août 2022 lors de la troisième journée de l'événement Dodge Speed Week à Pontiac dans le Michigan. Là encore une fois, je vous mets des vidéos IRL et in-game, hein, bien évidemment. Je le répète à chaque fois, mais pour bien que vous compreniez en fait. Donc ensuite, il a un nouveau groupe motopropulseur, cette Dodge, appelé le Banshee. Intéressant d'ailleurs, comme la Bravado. Qui selon Dodge agit comme le nouveau summum de la performance dans la confrérie du muscle, éclipsant les moteurs Hemi, L4 et Red Eyes. Voilà, et donc ce véhicule sera apparemment disponible à partir de 2024. Mais écoutez, bon le design est sympa, après c'est sûr que c'est une électrique, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les électriques, mais il faut pas se mentir qu'en termes de performance, accélération, du moins c'est assez impressionnant les électriques, on voit la différence hein, dans GTA Online entre un véhicule normal et une version électrique. En termes d'accélération, il y a une grosse différence, quoi. Donc c'est toujours impressionnant à voir dans GTA Online. Et puis bon, écoutez, mine de rien, je trouve que son design est assez sympa. C'est futuriste, mine de rien. Mais j'ai hâte de l'avoir en main pour la tester, puis pour vous la présenter, évidemment. D'ailleurs, petite info supplémentaire qui est d'actualité, si jamais ça vous intéresse, elle devrait apparaître aux côtés de la DeLorean Alpha 5, c'est une toute nouvelle DeLorean, dans le film Fast X. Donc Fast and Furious, le dernier qui est actuellement au cinéma,
elle est apparemment dans le film. Moi, je suis pas encore allé le voir, ce film, donc, mais apparemment, elle est dedans, donc vous pourrez peut-être le confirmer si vous êtes allé le voir. Une version de production presque identique devrait être dévoilée vers 2024, c'est ce que je vous disais. Dodge a présenté un concept chargeur Daytona SRT rouge au SEMA en novembre 2022, comprenant une clé de vitesse de type Bugatti qui permet d'augmenter la puissance jusqu'à 670 chevaux, 500 kW. Voilà pour cette Dodge Charger. On passe ensuite au troisième véhicule, et c'est un avion. Alors cet avion, bah, vous avez peut-être pu le voir si vous avez fait attention, moi je l'avais pas vu au moment où je vous ai fait la présentation avec les premières informations hier dans la vidéo. Et donc en fait il est sur le porte-avions, vous voyez, au bord du porte-avions. Il est là, cet avion, donc on ne connaît pas encore le nom, mais ce que je sais, c'est que IRL, du coup, et merci à tous ceux qui m'ont partagé des infos, d'ailleurs au passage, hein, j'ai oublié de le faire en début de vidéo, mais merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me donner les marques, les modèles pour m'aider, parce que vous avez l'habitude en fait, hein, que je fasse ça à chaque première info de DLC, à chaque DLC, donc encore merci à vous au passage. Et donc cet avion, bah, c'est un Cessna 408 Sky Courier. Voilà, c'est un avion qui est tout récent en fait, hein, qui a été présenté au meeting aérien en 2021, et son premier vol d'essai a été effectué le 17 mai 2020, donc c'est un avion qui est vraiment récent en fait, hein. Et actuellement il est mis en service depuis cette année, depuis l'an dernier, excusez-moi, en 2022, et les premiers clients à en avoir acheté, c'est FedEx, qui en a acheté, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 200, je me rappelle plus du chiffre exact, voilà. Donc c'est un avion tout récent, visiblement je pense que cet avion va devoir le voler, quand on voit cette image on sait qu'il va y avoir des braquages, des petits braquages, donc est-ce qu'on va devoir braquer tout simplement le porte-avions pour récupérer cet avion, ce serait pas impossible. Curieux de voir ce qu'on va faire avec cet avion d'ailleurs au passage, parce que bah, à la base c'est un avion pour les courriers et les colis, voilà, donc voilà. On verra bien ce qu'on en fera avec ça, peut-être pour déposer du matériel ou je sais pas. En tout cas, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de cet avion, et pour vous, à quoi il va servir, évidemment. Et on terminera avec le dernier véhicule, c'est donc le 4x4 que vous voyez en fond. Alors, j'ai bataillé pendant un moment jusqu'à ce que j'ai finisse par trouver le modèle, je pense, exact, vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y a eu pas mal, en fait, de trucs, il y en a qui disaient que c'était plus un Nissan Patrol, d'autres qui me disaient que c'était plus le Pajero, mais un autre modèle. Et moi, en cherchant un peu plus, je suis tombé sur le Mitsubishi Pajero Evolution. Voilà, donc c'est celui-ci. Et franchement, je trouve qu'il lui ressemble énormément, avec les ailes bombées à l'arrière. On voit au niveau des portières, ça correspond un petit peu à la ligne de l'aile, avec le petit béquet à l'arrière. Même l'avant avec le pare-choc, bon, on le voit pas très bien hein, sur l'image d'illustration du DLC. Mais je trouve que c'est la même... C'est le même type de carrosserie, le même design en tout cas. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ce Mitsubishi Pajero, bah là, pareil. C'est un véhicule de base de compétition tout-terrain, basé sur la Mitsubishi Pajero, voilà, tout simplement. Il a été spécialement conçu pour participer à des rallyes raids ou des rallyes Dakar. Et en plus de ce produit, pour une utilisation en compétition uniquement, une version homologuée avait été mise sur la route et fabriquée par Mitsubishi entre 97 et 98. Afin d'homologuer bah, tout simplement ce Pajero Evolution pour la classe T2 du Rallye Dakar. Il existe environ 2500 exemplaires homologués pour la route qui ont été produits. Voilà les amis, donc ça c'est le quatrième véhicule et on a fait le tour, hein, voilà, c'est les véhicules qu'on connaît actuellement, donc vous inquiétez pas, évidemment il n'y en a pas que 4 hein, pour le DLC, il y en aura entre 15 et 20 comme je vous ai dit hier, c'est à peu près la moyenne qu'il y a par DLC, mais voilà, c'est pas les 4 seuls et j'espère que il va y avoir d'autres avions et des surprises. J'aimerais bien un autre avion, mais bon, on verra bien s'il y est ou pas dans les fichiers. Si on le voit peut-être dans d'autres images prochainement avec d'autres communications de Rockstar Games, je pense qu'on aura d'autres infos la semaine prochaine, plus un trailer avant la sortie du DLC. Donc voilà, on risque d'avoir un petit peu plus de détails sur ce DLC et sur les véhicules qui arriveront. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis à lâcher le pouce du soutien, c'est extrêmement important. À vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description, ainsi que le lien du Discord qui est disponible depuis à peu près un mois maintenant. Voilà. Au passage, désolé si je parle doucement, c'est qu'actuellement j'enregistre, il est à peu près 2h15 du matin. Voilà. C'est... je suis pas tout seul, quoi. Désolé si je parlais un petit peu trop doucement. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous dis à très vite
Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur TGS Roster Club. Ciao.